Voilà, je viens de baisser le pont-levis et je sors de l'entrée principale du Fort Saint-Roch. Alors ici, vous êtes dans un fort de la ligne Maginot des Alpes-Maritimes. Hein. Ce fort a été construit entre 1932 et 1935. Il avait comme garnison, à partir de 1939, 5 officiers et 210 soldats. Toutefois, sa garnison pouvait monter jusqu'à 350 soldats à l'intérieur. C'est des hommes appartenant essentiellement au 95e bataillon alpin de forteresse et au 158e régiment d'artillerie de position. Le fort, lui, est tout à fait dans une position discrète. Vous voyez, on est en bas, on est protégé au nord par des forts qui sont au-dessus de nous. C'est le cas de la Guézin, du Mont Grosso. Et au sud, nous avons le fort du Barbonnais. Voilà, je vais donc ouvrir la porte et rentrer dans la partie principale du fort. Donc ici, nous sommes dans la cuisine. Comme tous les forts de la ligne Maginot sont équipés d'une cuisine, il faut bien faire manger les hommes. Ici, vous pouvez avoir jusqu'à 304 subsistants par repas. Donc, nous avons dans la petite salle à côté les cuves à fioul qui vont alimenter les cuisinières. Ce sont des cuisinières Arthur Martin. Vous voyez que déjà, c'était déjà à l'époque, hein. Il faut regarder ça avec les yeux de 1934-1935, c'est des cuisinières injection au fioul. Alors vous êtes face à l'usine électrique. Il faut savoir que dans tous les forts Maginot, il y avait une usine électrique qui permettait au fort d'être autonome en fourniture d'énergie. Ici, nous avons une usine électrique composé de 3 moteurs. Ce sont des SMIM, c'est des moteurs diesel bicylindres qui sont capables de fournir 50 chevaux à 600 tours à la minute, mais ils consomment 15 litres de gasoil à l'heure. Hein. C'est beaucoup. Chaque moteur est à démarrage pneumatique. Alors ici, nous sommes dans la station d'eau du fort. Nous avons 3 cuves à eau de 19 mètres cubes chacune. On en a 3. Ces cuves à eau vont servir à l'alimentation des hommes et en cuisine, à l'entretien, au lavage des personnels, mais servir aussi au refroidissement des armes et servir au refroidissement des moteurs diesel. Donc vous voyez que l'eau dans les forts, c'est important. Bien voilà, alors vous êtes ici dans le couloir principal du fort, c'est-à-dire la zone vie. Normalement, cette zone vie engerbe les blocs 2, les blocs 3, qui sont eux sous la colline, ainsi que le bloc 1. Quand nous allons aller au bout du couloir et que l'on va descendre le plan incliné, on va se trouver au bloc 4. Et vous verrez que ce bloc 4, en montant à l'intérieur, il est à l'extérieur et adossé à la colline. Il n'est pas sous la colline. Alors, ce couloir fait à peu près 180 mètres de longueur. Et on y voit au-dessus des gros tubes. Ce sont des buses qui permettent soit la circulation de l'air frais à l'intérieur du fort, soit l'évacuation des gaz viciés à l'extérieur du fort. Pour cela, elles ont des collerettes colorées en jaune pour l'air vicié et en rouge pour l'air frais. Alors, vous êtes en face d'une chambre de troupe. Il y en a 3 comme ça du fort. Ce sont des chambres à 24 places. Les hommes sont au lit par 2. C'est-à-dire que chaque emplacement
peut comporter un emplacement pour 4 hommes. Les repas sont pris à l'intérieur des chambres. Alors, cette maquette représente la conception théorique de la ligne Maginot. Beaucoup de gens pensent que la ligne Maginot, c'est simplement des forts et on n'a rien à côté. Non, pas du tout. C'est une zone de défense en profondeur. Nous avons ici la ligne de frontière. Et sur cette ligne de frontière, nous avons des maisons fortifiées dans lesquelles étaient des gardes mobiles. Ces gardes mobiles devaient donner l'alerte aux avant-postes. Après la ligne d'avant-poste, nous avons la ligne principale de fortification. Mais devant cette ligne, pour la protéger des chars, il y avait des rails qui étaient plantés verticalement dans le sol. Cette position principale comporte les forts tels que nous sommes actuellement dans le Fort Saint-Roch. Derrière, pour assurer éventuellement une défense arrière pour éviter un contournement par l'ennemi de cette ligne principale de résistance, il y a ce qu'on appelle la deuxième ligne. Et à l'arrière, vous avez la zone logistique. Cette zone logistique était chargée soit de fournir l'énergie électrique à certains forts qui en avaient besoin, soit d'avoir des gares de triage pour pouvoir ensuite amener par voie étroite qu'à l'intérieur des forts le ravitaillement. Bon, alors ici, nous sommes dans l'équipement de ventilation du fort. Tous les forts de la ligne Maginot ont le même système de ventilation. Ici, nous sommes au bloc 2, ce qu'on appelle le bloc 2. Et nous avons, devant vous, vous avez un équipement de 8 filtres à charbon actif pour filtrer, purifier l'air lorsqu'il y a l'alerte au gaz de combat. Ici, vous êtes dans le poste de commandement de l'ouvrage, qu'on appelle le PCO. Il faut savoir que l'équipement de transmission du Fort Saint-Roch est assez complet. Il y a à l'entrée deux postes radio à ondes courtes qui permettaient au fort d'être en liaison radio avec effort voisin et éventuellement le poste de commandement de la 40e demi-brigade qui est au col de Brosse. Il avait en plus un central téléphonique à 64 directions, hein, articulé en deux panneaux de 32 directions. Et il disposait en plus d'un créneau optique qui le mettait en liaison optique avec le fort de la Gaisin. Alors ici, nous sommes dans la salle de commandement du canon de 75. Nous sommes en liaison avec le canon de 75 qui est au bloc 4, avec un central téléphonique, vous l'avez ici, soit avec un transmetteur d'ordre que vous voyez là. Ce transmetteur d'ordre est divisé en secteurs. Chaque secteur correspond à un ordre donné. Et à côté, vous avez le PC des mortiers de 81 dont vous pouvez écouter actuellement les messages qui sont lors d'une conduite de tir d'un groupe de deux mortiers de 81. Alors voilà, là maintenant, je débouche sur la deuxième salle de ventilation. Nous sommes passés à côté de la première. Nous avons toujours 8 filtres à charbon pour purifier l'air. Cette fois-ci, les bus d'admission de l'air descendent du bloc 3 au lieu de descendre du bloc 2. Le tambour a des câbles qui sont en enroulement en sens contraire. Il y a deux câbles qui servent d'attache au plan incliné lui-même et un câble qui sert à la tâche du contrepoids. Bien, alors ici, vous êtes au pied du bloc 4, au-dessus de la tête-île.
Au-dessus de la tête, vous avez donc deux étages. Premier étage pour les mortiers de 81 et le dernier étage pour le canon de 75 modèle 29 et les jumelages mitrailleuses. Bon, les munitions donc étaient chargées sur les wagonnets, descendaient à cet étage par le plan incliné, elles étaient mises au préalable dans des conteneurs. Les conteneurs de mortiers et conteneurs d'obus de canon de 75. Alors je suis dans le monte charge. Sa charge maximum est de 1 tonne. Lorsque les conteneurs arrivaient dans le couloir derrière, on les amenait à bras ferme, on les montait ici. Ensuite, on fermait la grille et on pouvait monter. Bon, alors ici, nous sommes au premier étage du bloc 4. C'est le bloc artillerie. Bon, je vous rappelle que ce fort est un ouvrage d'artillerie du type CORF. CORF voulant dire Comité d'organisation et région fortifiée. Voilà, alors ici, nous sommes dans le local d'un groupe de 2 mortiers. Ils sont en flanquement du fort ami à Guézin. Ces mortiers sont des mortiers brancs, modèle 32. Ils ont un calibre de 81 mm et une portée maximum de 3 km 200. Alors, les visites du fort font jusqu'au 30 juin, le samedi, dimanche et jours fériés, de 14 à 18 heures. Pour les groupes, il faut prendre contact avec le numéro 04 93 04 00 70. À partir du mois de juillet et août, le fort sera ouvert tous les après-midi, sauf le lundi.